Moi, ça, les amis, m'espérer avec Jésus en forme. C'est un plaisir pour que nous soyons capables de rencontrer jeudi, qui c'est samedi 24 juillet, dans l'objectif pour nous introduire ensemble les leçons de l'école Saba. Nous avons gagné pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'étudier. Mais avant même que nous entrions dans l'étude là, on nous prie le Seigneur. C'est pour nous bénir, c'est pour nous glorifier, c'est pour nous exalter de siècle en siècle, l'éternité en éternité, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que pendant ce semaine, nous parlons l'autre leçon pour que nous soyons capables d'étudier. Nous apprenons que nous capables d'ouvrir l'intelligence de nos papa. Pour nous comprendre parole ou émettre une application, nous pas mérite, mais nous pouvons saluer Jésus. Amen. Avant même que nous entrions dans l'introduction de la semaine, nous voulons remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même arrivez à consentir chaque jour pour capable étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier ou même, chaque fois que vous venez étudier, vous avez devoir pour capable partager les leçons ensemble avec entourage et comme ça, plus monde capable d'arriver à étudier les leçons de l'école du sabbat. Et ce matin, nous allons aller dans la leçon 5. Et la leçon, nous avons étudié depuis jeudi, qui c'est samedi, et pour nous arriver jusqu'à vendredi, qui est le 30 juillet. Telle leçon ce matin, c'est Venez à moi. En bon créole, Venez joindre moi. C'est le thème ça. Pendant ce matin, nous allons avec vous, nous allons développer ensemble. Et nous avons quelques textes qui ont servi nous comme texte central. Dans quatre leçons ce matin, là, nous avons Matthieu chapitre 11, verset 20. En 30, nous gagnons Matthieu chapitre 5, verset 5, Deutéronome chapitre 18, verset 15, nous gagnons Galates chapitre 5, verset 1er, Exode chapitre 18, verset 13 à 22, et Galates chapitre 6, verset 2. Ces textes sont avec quelques autres encore, nous avons pour nous, dans le cadre d'étude semaine. Et verset pour nous qui est bien en tête, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit comme ça: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Mais la version créole là, dit-il comme ça: Venez joindre moi, nous tous qui bouquez, nous tous qui embâchez, m'a soulagé. Venez joindre moi, nous tous qui bouquez, nous tous qui embâchez, m'a soulagé. C'est texte ça, nous vient pendant ce maintenant pour nous mémoriser. Matthieu chapitre 11, verset 28. Eh bien, nous, Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est une plus belle promesse que Jésus a fait ensemble avec nous, qui nous joigne dans la Bible. Après tout, nous avons posé notre question: qui est-ce qui par exemple connaît un moment de peine? Qui est-ce qui par exemple a porté une charge qui sentit qu'il loue et même trop loue pour lui? Peut-être une charge de travail ou bien un problème qui a traversé l'esprit. Eh bien, tout ça, il a considéré une charge et pas des gens qui par contre connaît un moment pareil. Et Jésus fait nous comprendre, il connaît comment on vit. Il connaît ça qui a traversé nous, c'est ça qui fait lui-même. Et bien, non seulement il est capable d'aider nous, mais il veut aider nous. Mais c'est si toutefois nous-mêmes nous acceptons, et bien, appel, il fait ensemble avec nous. Et bien, nous, non seulement Jésus m'a dit pour nous venir joindre, nous-mêmes qui fatigués, qui chargés, il dit nous venir joindre, mais il fait nous comprendre, là, pour un jour, pas nous, pour te charger par nous, mais lui-même en retour, et bien, il a pas nous charge par lui, parce que les charges par lui, il y a plus bon et il y a moins légère. Par rapport avec charge par nous. C'est-à-dire, Jésus veut faire comprendre, l'a débarrassé nous des fardeaux par nous, des peines par nous, et puis lui-même l'a par nous par lui, parce que par lui, c'est plus facile pour nous capables de porter. Eh bien, nous allons voir dans ce maintenant, comment nous sommes capables de faire expérience, eh bien, repos ça que Jésus lui-même a parlé dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Là. Après tout, et nous-mêmes qui vivons dans le monde, depuis après le péché, ben bon Dieu dit avec Adam et Ève, c'est avec sué dans le visage que ou même ou va manger. Et bien comme ça nous connaissons nous même nous sommes avec aujourd'hui, nous connaissons ça veut dire travail, nous connaissons ça veut dire accablé par un ensemble de fardeaux qui t'a semblé trop lourd pour que nous capable porter. Et bien charge ça paraît trop lourd pour nous même aujourd'hui pour que nous capable porter. C'est-à-dire nous et bien pendant ce matin nous va apprendre comprendre ça veut dire lorsque Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donner du repos. Pendant ce moment-là, nous avons souhaité que vous même fait un peu l'effort pour capable arriver vraiment connaître comment vous capable de joindre le repos ça que Jésus lui-même lui a parlé. Bien, c'était en gros introduction leçon ce matin qui c'est leçon 5. Venez à moi et verset à mémoriser Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez joindre moi nous tous qui bouquez, nous tous qui embâchez. M'a soulagé. Avant de nous aller, à nous prier, bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre des paroles en application pour nous avoir vu nous battre comme de bons et de fidèles serviteurs.
Donc, pendant une semaine, nous sommes capables vraiment de prendre du temps pour que nous apprenions la parole et que la parole soit capable de servir nous jusqu'à l'éternité. Nous ne pouvons pas mériter même pour nous consacrer à Jésus. Amen. Deuxième, surtout, passez une très bonne journée, bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.